So they take these down. They realize this is the oldest version of the Bible by far. God doesn't exist. Human being is the measure of all things. It's all mythology. It's all fake. But in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. In many ways, the first book was the Bible. I mean, literally. The Bible got it right. They got the order right. Right. And so it isn't that the Bible is true. It's that the Bible is the precondition for the manifestation of truth. All of us do things every day which are unreasonable, sinful, wrong, and absurd. Bienvenue dans cet épisode intrigant où nous plongeons dans une découverte remarquable qui a captivé les historiens, les théologiens et le grand public. Des découvertes récentes ont révélé un parchemin vieux de 2200 ans qui fournirait des preuves convaincantes concernant la nature divine de Jésus-Christ. Ce parchemin, découvert lors de fouilles archéologiques, daterait d'une époque où le christianisme primitif commençait à prendre forme. Les implications de cette découverte sont profondes, non seulement pour le domaine des études religieuses, mais aussi pour notre compréhension du contexte historique de la vie et des enseignements de Jésus. Cet épisode explorera le contenu du parchemin, la signification historique de ces découvertes et comment il pourrait influencer les croyances contemporaines sur Jésus en tant que figure divine. Commençons par plonger dans le contexte historique entourant le parchemin. Le parchemin ancien a été découvert dans une région qui faisait autrefois partie du monde hellénistique. Cette région a vu un mélange de cultures et d'idées, en particulier entre les Grecs et la communauté chrétienne émergente. La période est cruciale pour comprendre comment les premiers textes et croyances religieuses se sont formés et comment ils se sont mêlés aux philosophies dominantes de l'époque. En explorant ce parchemin, il est important de reconnaître qu'il contient des écrits attribués aux premiers disciples de Jésus, datant peut-être du 1er siècle après J.-C. Cette époque était marquée par la propagation du christianisme, alors que les premiers chrétiens cherchaient à articuler leurs croyances dans un monde rempli de récits religieux concurrents. Le parchemin sert de fenêtre sur cette époque dynamique, révélant des informations sur la manière dont Jésus était perçu par ses contemporains. Le parchemin lui-même est composé de divers textes, dont certains pourraient être en accord avec, ou même antérieurs, aux évangiles canoniques du Nouveau Testament. Les érudits ont noté que certains passages du parchemin abordent directement la divinité de Jésus, présentant des arguments et des affirmations qui auraient pu contribuer aux croyances fondamentales des premiers chrétiens. Ces écrits font écho à des thèmes d'événements miraculeux et d'enseignements qui soulignent l'autorité divine de Jésus. Parmi les passages notables, un en particulier se distingue. Il parle d'une prophétie décrivant la venue d'un Messie qui incarnerait à la fois des caractéristiques humaines et divines. Cela correspond au concept théologique d'hypostase, où Jésus est vu à la fois comme pleinement Dieu et pleinement homme. De telles descriptions dans les textes anciens pourraient fournir un contexte essentiel pour comprendre comment les premiers chrétiens ont réconcilié l'humanité de Jésus avec sa nature divine. De plus, le parchemin fait référence à divers événements de la vie de Jésus, y compris des miracles et des enseignements mettant en avant l'amour, le pardon et le salut. Ces thèmes sont centraux dans la doctrine chrétienne et résonnent avec les enseignements du Nouveau Testament. Le parchemin suggère que ces croyances étaient non seulement répandues dans la communauté chrétienne primitive, mais également exprimées d'une manière qui précède la formalisation du canon du Nouveau Testament. En réfléchissant aux implications du contenu du parchemin, il est important de considérer comment cette découverte pourrait influencer les débats théologiques actuels. Depuis des siècles, les érudits débattent de la nature de Jésus et de l'interprétation de sa divinité. Le parchemin fournit de nouveaux matériaux susceptibles de raviver ces discussions, offrant des perspectives nouvelles pour les croyants comme pour les sceptiques. Examinons maintenant la signification historique de ce parchemin. Les archéologues et les historiens recherchent depuis longtemps des preuves d'écrits chrétiens primitifs en dehors du Nouveau Testament. La découverte de ce parchemin s'ajoute à un corpus croissant de preuves qui éclaire les premières années du christianisme. Elle met en évidence la diversité des pensées et des croyances présentes dans l'Église primitive, révélant que la compréhension de Jésus en tant que divin
était une idée complexe et évolutive. L'ancienneté du parchemin renforce encore son importance. Datant de 2200 ans, il occupe une position unique dans la chronologie de l'histoire religieuse. Il offre un lien tangible avec une période où les fondements de la croyance chrétienne étaient en train de s'établir. Ce contexte est inestimable pour comprendre comment ces croyances se sont développées en réponse à des influences à la fois internes et externes. De plus, le parchemin soulève des questions sur la transmission des textes dans le monde ancien. Comment ces écrits ont-ils été préservés et quels étaient les processus en place pour les copier et les diffuser? La découverte du parchemin incite à approfondir les pratiques des premières communautés chrétiennes, soulignant l'importance de la tradition orale aux côtés des textes écrits. Les méthodes archéologiques utilisées pour découvrir le parchemin sont également dignes de mention. Le site où il a été trouvé a utilisé des techniques modernes telles que le radar à pénétration de sol et les fouilles stratigraphiques. Ces méthodes ont amélioré notre compréhension des sites anciens, permettant aux chercheurs de localiser et de préserver des artefacts fragiles. Le parchemin lui-même a été méticuleusement conservé, garantissant qu'il puisse être étudié sans dégradation supplémentaire. En approfondissant les interprétations savantes du parchemin, il est essentiel de considérer les perspectives des théologiens et des historiens. Certains érudits affirment que le parchemin offre des preuves définitives de la divinité de Jésus, tandis que d'autres abordent les découvertes avec un regard plus critique, suggérant qu'elles reflètent les croyances d'une communauté particulière plutôt qu'une compréhension universelle de Jésus. Les implications du parchemin pour les croyances chrétiennes contemporaines ne peuvent être ignorées. Pour beaucoup, l'idée que les premiers disciples de Jésus aient articulé sa divinité d'une manière qui correspond à la théologie moderne est à la fois rassurante et passionnante. Cela sert de pont potentiel entre les preuves historiques et la foi, invitant les croyants à explorer la profondeur de leurs convictions. À l'inverse, pour les sceptiques et les érudits laïcs, le parchemin offre l'occasion d'aborder les textes religieux sous un nouveau jour. Il invite à des discussions sur la nature de la croyance, le contexte historique des figures religieuses et les complexités de la foi dans un monde diversifié. Le dialogue généré par la découverte du parchemin pourrait favoriser une compréhension plus nuancée de l'évolution des récits religieux au fil du temps. En réfléchissant aux implications plus larges de ce parchemin, il est crucial de considérer sa place dans la quête continue de compréhension historique. Les érudits et les théologiens ont cherché à reconstituer le puzzle de la vie et des enseignements de Jésus. Le parchemin représente une nouvelle pièce de ce puzzle, offrant des informations qui pourraient enrichir notre compréhension de l'expérience chrétienne primitive. À la lumière de cette découverte, il faut également envisager le potentiel de recherche future. Ce parchemin n'est qu'un parmi de nombreux textes anciens qui continuent d'être découverts. Au fur et à mesure que les archéologues et les historiens poursuivent leurs investigations, nous pourrions encore trouver d'autres écrits qui éclairent le christianisme primitif et ses croyances fondamentales. De plus, ce parchemin nous invite à réfléchir au rôle de la foi dans la quête du savoir. Pour beaucoup, l'intersection de l'archéologie et de la théologie offre un espace d'exploration qui transcende les frontières traditionnelles. Cela soulève des questions sur la nature de la vérité et la manière dont nous en venons à comprendre le divin, invitant croyants et érudits à engager des conversations profondes sur la foi et l'histoire. Dans le cadre de cette découverte, la réponse mondiale a été largement positive. Les médias, les organisations religieuses et les institutions académiques ont tous exprimé un vif intérêt pour les implications de ce parchemin. Le potentiel d'un dialogue interreligieux a également émergé, alors que différentes traditions religieuses explorent la signification du parchemin et sa pertinence pour leurs croyances. Alors que nous concluons cette exploration du parchemin vieux de 2200 ans et de ses implications pour la compréhension de Jésus en tant que divin, il est important de réfléchir au chemin parcouru. Cette découverte a ouvert des portes à de nouvelles discussions, de nouvelles perspectives et interprétations.
Elle nous incite à réfléchir de manière critique à l'intersection entre la foi et l'histoire et nous encourage à considérer la riche tapisserie de croyances qui façonne notre compréhension du monde. En conclusion, la découverte de ce parchemin ancien représente une étape importante dans l'exploration continue de l'histoire religieuse. Elle nous invite à aborder des questions qui perdurent depuis des siècles tout en offrant de nouvelles perspectives sur la vie et les enseignements de Jésus. Alors que nous continuons à étudier cette découverte remarquable, nous attendons avec impatience les éclairages qu'elle apportera sans aucun doute à la communauté savante et au grand public. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage éclairant. Alors que nous continuons à découvrir les couches de l'histoire, nous restons ouverts au pouvoir transformateur du savoir et au dialogue constant entre la foi et la compréhension. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes qui explorent les intersections de l'histoire, de la théologie et de l'expérience humaine. En poursuivant notre exploration de la découverte remarquable du parchemin vieux de 2200 ans, il est essentiel de s'enfoncer davantage dans le contexte archéologique de cette trouvaille. Comprendre le site de la découverte ainsi que sa signification historique enrichit notre récit. Le parchemin a été mis au jour dans une région connue pour sa culture ancienne dynamique où diverses philosophies et religions coexistaient. Cette zone servait de carrefour pour le commerce, les idées et les croyances, ce qui en faisait un point névralgique pour le développement précoce du christianisme. Le site de fouille lui-même était auparavant considéré comme un simple marché ancien, mais la découverte de ce parchemin a révélé des couches d'histoire suggérant qu'il pourrait s'agir d'un lieu de rassemblement pour les premiers chrétiens. Les érudits réévaluent maintenant l'importance de ce site, car il pourrait fournir des informations sur la manière dont les premiers chrétiens interagissaient entre eux et comment ils diffusaient leurs croyances dans un environnement pluraliste. En ce qui concerne les attributs physiques du parchemin, sa préservation offre un aperçu fascinant des techniques d'écriture anciennes. Le parchemin était fabriqué à partir de papyrus, un matériau d'écriture courant dans le monde antique. Le texte a été inscrit avec de l'encre, faite à partir de teintures naturelles, démontrant le savoir-faire de l'époque. La clarté de l'écriture suggère qu'il a été produit avec soin et intention, probablement pour être diffusé au sein d'une communauté de croyants. En analysant le contenu du parchemin, il est essentiel de se concentrer sur les thèmes théologiques qui émergent. Au cœur du texte se trouve une déclaration de la divinité de Jésus, soutenue par des récits de ses miracles et de ses enseignements. Un passage en particulier décrit le moment où Jésus calme une tempête, commandant la nature elle-même, une puissante métaphore de son autorité sur les domaines physiques et spirituels. De tels récits auraient profondément résonné auprès des premiers chrétiens qui cherchaient une affirmation de leur croyance dans un environnement hostile. De plus, le parchemin inclut des références aux prophéties des Écritures hébraïques liant Jésus aux attentes messianiques présentes dans la pensée juive. Cette connexion est significative, car elle illustre comment les premiers chrétiens interprétaient la vie et la mission de Jésus à travers le prisme des croyances religieuses existantes. L'interaction entre le judaïsme et le christianisme est un domaine d'étude crucial, car elle met en lumière l'évolution de la pensée religieuse dans le monde ancien. Ce parchemin rappelle également les défis auxquels les premiers chrétiens étaient confrontés en articulant leurs croyances. À une époque où diverses philosophies se disputaient les adeptes, le besoin de récits clairs et convaincants sur Jésus était primordial. Le contenu du parchemin reflète une communauté qui s'engageait activement dans le discours théologique, cherchant à établir son identité au milieu d'influences diverses. Réfléchissons maintenant aux implications de cette découverte pour la théologie chrétienne contemporaine. Pour de nombreux croyants, le parchemin offre une validation historique des principes fondamentaux de la foi. L'affirmation de la divinité de Jésus est essentielle à la croyance chrétienne, et le parchemin sert de lien tangible avec les premières expressions de cette doctrine. Il encourage les croyants à explorer leur foi plus profondément en reliant leurs croyances à des pratiques et des écrits anciens. Les implications pour le dialogue œcuménique sont également remarquables. Différentes confessions chrétiennes peuvent aborder les découvertes du parchemin de diverses manières,
mais la reconnaissance commune de la divinité de Jésus peut servir de facteur unificateur. Alors que les érudits et les théologiens s'engagent avec le texte, il existe une opportunité de compréhension accrue et de collaboration entre les diverses communautés chrétiennes. La découverte du parchemin invite également à des discussions sur le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Les textes historiques reflètent souvent des structures patriarcales, mais ce parchemin mentionne des femmes disciples de Jésus, soulignant leur importance au sein de la communauté. Les femmes ont joué un rôle crucial dans la propagation du christianisme primitif, et reconnaître leur contribution peut enrichir notre compréhension du développement de la foi. De plus, le parchemin soulève des questions intrigantes sur la gouvernance et la structure de l'Église primitive. Comment les décisions étaient-elles prises et qui détenait l'autorité au sein de ces communautés? Les écrits du parchemin pourraient offrir des indices sur les dynamiques de leadership des premiers chrétiens, éclairant comment ils s'organisaient et maintenaient leurs croyances dans un environnement difficile. En examinant les réactions des chercheurs à cette découverte, nous trouvons une diversité d'opinions. Certains érudits sont impatients d'intégrer le parchemin dans les discussions sur l'histoire du christianisme primitif, tandis que d'autres prônent la prudence, soulignant la nécessité d'une interprétation rigoureuse. Le débat autour des implications du parchemin reflète des conversations plus larges sur la nature des preuves historiques et les défis liés à la reconstitution du passé. La méthodologie utilisée pour analyser le parchemin mérite également d'être explorée. Des experts en paléographie, l'étude des écritures anciennes, travaillent à déchiffrer le texte et à en comprendre la signification. Ce processus implique un examen minutieux de l'écriture, de la composition de l'encre et même de l'état physique du parchemin. Ces chercheurs reconstituent méticuleusement ce puzzle dans le but de produire une traduction cohérente qui reflète fidèlement l'intention originale des auteurs. En plus de l'analyse paléographique, le parchemin subit une datation au radiocarbone pour établir son âge de manière définitive. Ce processus scientifique aidera à confirmer les origines du parchemin et à fournir une chronologie plus précise de sa création. Comprendre le contexte historique est crucial pour les chercheurs qui souhaitent interpréter le texte avec précision et évaluer ses implications dans le cadre plus large du christianisme primitif. Le potentiel de découvertes supplémentaires sur le site de fouilles ne doit pas être négligé. À mesure que les chercheurs poursuivent leurs excavations, ils pourraient découvrir d'autres artefacts, textes ou même inscriptions qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur les pratiques chrétiennes primitives. Chaque nouvelle découverte a le potentiel de modifier notre compréhension de cette période formatrice de l'histoire religieuse. De plus, la découverte du parchemin a suscité un intérêt mondial bien au-delà des cercles académiques. Les médias, documentaires et podcasts discutent des implications du parchemin, attirant des audiences qui ne s'engagent pas habituellement dans les études religieuses. Cet intérêt général souligne l'attrait intemporel des questions entourant la foi, l'histoire et la recherche de la vérité. La découverte soulève également des considérations éthiques concernant la préservation des textes anciens. Alors que les chercheurs modernes et les archéologues étudient ces artefacts, ils doivent trouver un équilibre délicat entre l'exploration et la préservation. Le potentiel de futures découvertes doit être mis en balance avec la responsabilité de protéger ces trésors culturels pour les générations futures. L'intersection entre la foi et le milieu académique prend de plus en plus d'importance à mesure que les discussions autour du parchemin se développent. Les chercheurs et les théologiens doivent collaborer pour s'assurer que les interprétations du texte soient à la fois intellectuellement rigoureuses et respectueuses des croyances que beaucoup chérissent. Ce dialogue peut favoriser une compréhension plus profonde de la manière dont la foi et la raison peuvent coexister, enrichissant ainsi l'exploration de la vérité religieuse. Par ailleurs, les implications du parchemin s'étendent au dialogue interreligieux. Les liens entre le judaïsme et le christianisme, mis en lumière par le parchemin, offrent des opportunités pour des discussions fructueuses entre ces deux traditions religieuses.
Explorer les croyances partagées et les liens historiques peut promouvoir une meilleure compréhension et coopération dans un monde de plus en plus diversifié. En considérant l'avenir de cette découverte, l'impact sur l'éducation ne doit pas être négligé. Le parchemin présente une occasion unique d'engager les étudiants dans des discussions sur l'histoire, la théologie et la pensée critique. En examinant des sources primaires, les apprenants peuvent acquérir une vision directe des complexités de la pensée chrétienne primitive et de l'évolution des croyances religieuses. Dans le domaine de la culture populaire, la découverte du parchemin pourrait inspirer de nouvelles œuvres d'art, de littérature et de cinéma. Les artistes et les conteurs s'inspirent souvent d'événements historiques pour explorer des thèmes de foi, de lutte et de rédemption. Les implications du parchemin pourraient résonner avec les publics contemporains, conduisant à des expressions créatives qui reflètent son importance. Alors que nous concluons cette exploration du parchemin vieux de 2200 ans et de ses implications pour la compréhension de Jésus en tant que divin, nous réfléchissons à la riche tapisserie d'histoire, de foi et de savoir que représente cette découverte. Le parchemin nous invite à engager des questions qui ont façonné la pensée humaine pendant des siècles, nous défiant de rechercher la vérité dans un monde rempli d'incertitudes. En résumé, la découverte de ce parchemin ancien a des implications profondes pour la compréhension de la vie et des enseignements de Jésus. Il sert de pont entre l'historique et le divin, offrant de nouvelles perspectives sur les croyances fondamentales du christianisme. À mesure que les érudits et les croyants continuent de s'engager avec cette découverte remarquable, nous pouvons anticiper une exploration plus profonde de la foi, de l'histoire et de la quête continue de compréhension.